Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau unboxing avec Yoann. Et Yoann qui est en train. Ah oui, parce que toi tu veux montrer. Ah bah, laisse-moi faire mieux, c'est un unboxing. Tu le sors déjà vrai. De la box. Oui, c'est vrai que c'est un unboxing. Donc on sort de la boîte. Oui, c'est vrai. Ah, parce qu'ils ont mis le paquet sur la boîte. Ouais, plus sur la boîte que. Non. Bah, donc laissez-moi faire mon unboxing. C'est fait. C'est... Wow. Franchement. Avec de la petite mousse qui c'est tient. Génial. Tu veux que je te dis, si on sort un jeu comme ça, c'est comme ça qu'il faut le faire. Non, c'est vrai, mais ça fait un beaucoup du show packaging. Quoi. Ouais, j'avoue, pour la planète. Pour la planète, pour les frais de port et tout. Purée, pas... coller le truc. Ouais, c'est toi qui as la force, regarde, je te montre. C'est un peu comme Excalibur. Ah ouais, c'est... D'accord, je comprends. Je te montre, ouais. C'est du high level. Hein. Ouais, non, franchement. Donc ça s'appelle Crimson Deck. Crimson Deck. C'est de Laura London. Et c'est produit par les Other Brothers. Tout ce qu'on fait Stasis, on les a enfin reçus. Désolé pour l'attente, mais c'est vrai que ça a été une rupture. Donc direct. Là, ça fait deux fois qu'ils sortent des trucs pas mal. Non, en fait. Franchement, ils sont sur une bonne lance. Ils ont sorti de la... des choses qui étaient moins fortes. C'est mitigé quand même. Mais là, c'est vraiment intéressant. Je vais te montrer ça. Hop, attends que je me. Parce que je suis préparé. Tu vas voir, c'est incroyable. En plus, toi, tu vois la préparation. Du coup, l'idée, c'est que vous avez un jeu de cartes. Ce qui est intéressant avec ce jeu de cartes, c'est que vous pouvez montrer que vous avez 52 cartes, vraiment. Toutes différentes. Elles peuvent être toutes remontrées. J'exagère sur ce point-là, mais c'est important pour ce type de routine. Johan, est-ce que tu peux me dire stop quand tu veux, s'il te plaît ? Stop. Nickel. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre la carte, s'il te plaît, la regarder, la montrer à la caméra. Tu vas même faire comme ça. C'est bon, tu... It's good. Vas-y, tu la remets sur le jeu et tu coupes, s'il te plaît. Comme ça, tu perds la carte dans le milieu du jeu. Comme ça, je peux pas... C'est pas plus, il n'y a pas de break, il n'y a rien du tout. Tout à fait. Si on claque des doigts, la carte, elle... Non, avant, je peux lire dans tes pensées si j'avais envie. Donc, du coup, ça peut être l'as de cœur. Tout à fait. Pas de présentation du tout. Exactement. Et si tu claques des doigts, ce qui est marrant, c'est que tu peux regarder toutes les cartes. Et là, on peut les passer une à une à la loupe. Vous pourrez faire pause. On a l'as de cœur. On ne met pas l'as de cœur. Pas du tout d'as de cœur. Tu peux étaler à nouveau. Et là, tu peux y aller. Il n'y a pas d'as de cœur. Parce que c'est ça qui est beau, c'est aussi l'étalage. Et là, tu peux donner les cartes aux gens. Il n'y a pas de souci. Je t'ai cassé ton éventail. Excuse-moi. Enfin, ton éventail. Non, mais c'est pas mal. Donc voilà. Et donc là, il n'y a plus d'as de cœur. Et ce qui est bien, c'est que vraiment, tu as des. Finalement, c'est un peu l'idée du. Et donc, ouais. Tu peux la retrouver où tu veux, dans l'étui. Ils ont des routines très intelligentes avec des cartes qui voyagent de paquet en paquet. On retrouve un peu l'idée de Thought of Card Across. Ouais, ou tout ce qui est dans les Houdini Deck, les trucs comme ça. Un peu... Mais il y a quand même. Mais c'est plus poussé. Ouais, sur les 52 cartes, vous en avez uniquement 5 de truqués que vous pouvez enlever ou rajouter dans le jeu de manière à avoir. Ça, c'est vraiment normal. Quelque chose que j'ai pas compris pourquoi 5. C'est ce doit être eux qui ont étudié ça comme ouais, ça. Ouais, pour ça avoir. Pu être 4, 6, parce que 7, tu peux faire choisir la carte en touchant et donc il fallait une certaine plage de ouais, cartes. Ouais, ils se sont dit genre même à l'éventail. C'est ça. Forcément. Mais ça sort vraiment bien, c'est vraiment une bonne idée, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, mais je pense que c'est un bel outil qui va te permettre de faire pas mal de choses, et voilà, nous on vous en parle alors qu'on a reçu vous voyez cette vidéo quand c'est sorti, mais nous, alors on vous parle, c'est pas encore sorti, c'est une vidéo qu'on a, un produit qu'on a reçu en avant-première, donc on voulait vous le faire partager au plus proche de sa sortie. Je valide. C'est un outil en fait, c'est vraiment un outil, et je pense que bien utilisé, ça peut faire très très mal. Voilà. Et ben c'est parfait. Le vidéo prix, en français. Le prix, je l'ai pas de tête. Bah, on le mettra dans la description. C'est ça, exactement. Vous l'aurez. De toute façon, il faut cliquer sur la fiche produit. Impeccable. Et ben merci Alexis. Salut. Salut les amis. À bientôt. Ciao.